But if you close your eyes. Hey tout le monde, c'est Mister T-Rex et on se retrouve sur Assassin's Creed Syndicate pour la suite de mémoire de Karl Marx. Et aussi avec un super beau temps. Ouais, là aujourd'hui c'est pas un super beau temps et puis c'est pas la fumée des usines qui font ça. Mais ça nous empêchera pas de jouer. Ouais, je zote un petit peu là aujourd'hui. C'est parce que après la reprise des cours, c'est pas évident de se remettre dans le bain. C'est avec les heures que je me couchais pendant les vacances en plus. C'était pas évident. Mais bon, c'est ma vie, ça ne vous intéresse peut-être pas. Mais en moi, ça me fait parler. Alors, un ouvrier accablé par les chagrins entend se venger. Ouais, entend se venger, c'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais c'est pas grave. En utilisant des explosifs des Templiers. Mais ils sont tous morts, la plupart. Empêchez-le d'agir avant qu'il ne déclenche une catastrophe. Ouais, bah, je crois que Jacob est la bonne personne pour cette mission. Mon pauvre ami Frank Morris. Son fils est mort d'épuisement après une journée de 18 heures. Frank est dévoré par le chagrin. Il reproche aux autorités de refuser de défendre les droits des ouvriers. Ah, je comprends sa colère. Mais je crains qu'elle ne le conduise trop loin. Il compte voler une cargaison de nitroglycérine pour faire exploser le Parlement. Tuer des gens et détruire des biens n'est jamais une solution. Seule la démocratie ouvre la voie du socialisme. Arrêtez-le avant qu'il n'ait du sang sur les mains. Il doit déjà être en route vers la City à l'heure qu'il est. Bon, démocratie. Si on éparpille un petit peu, ça fait démos. Du coup, c'est le peuple, en latin. Et crassie, le pouvoir. Le pouvoir du peuple. Ouais, c'est bien, c'est tout ce que j'ai retenu en histoire avec démocratie. C'est déjà un bon commencement quand même. Mais c'est pas pour dire, j'ai quand même une bonne moyenne en classe. Manquait plus avec que ça. 17 de moyenne générale, je peux m'en sortir. De Maurice. Et encore une fois, je raconte ma vie. Ouh. C'est bon, je l'ai détourné. Qui es-tu, toi? C'est Marx qui m'envoie. Mais je t'en prie, tais-toi. Dis à Marx que je n'ai pas besoin de son aide, ni de la tienne. C'est bon, j'appelle des renforts, hein. Je vois peut-être qu'ils devraient être utiles. Désolé de parler comme ça. Je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Bon, je disais que désolé de parler comme ça quand tu parles. Mais je vais faire un minimum d'efforts. Putain, ah mais non, je suis con. Ce que je voulais dire, ça n'avance pas, mais... Hop, c'est bon, renversé, maintenant je vais éviter de détruire la charrue. Ok, c'est déjà là. Doucement, allez, à gauche. À droite. Bon, je vais essayer de faire, une vidéo... une mission par vidéo. Ou deux, ça dépendra. Moi, je ferai des petites missions comme vol de cargaison et tout. Il y en a déjà une que je voulais faire, mais j'ai préféré la garder pour la vidéo. Comme ça, ça me fera du contenu. Alors. Ah, ils m'ont fait arrêter l'or. C'était là-bas. Oui, c'est ça. Bah oui, je sais que c'est ça. Voilà. À droite. Doucement. Et après, à gauche. Ok. Et après encore à gauche. À gauche. Ok. Ralenti. Tu vas nous faire sauter. À droite. T'inquiète pas, je suis un professionnel. Bon, un professionnel entre guillemets. Hein. Parce que je me suis toujours pas habitué à la conduite de ces voitures-là. Et en plus, dans le temps, ça s'appelait des voitures. Nous, ça s'appelle toujours des voitures, mais en vrai, c'est automobile. Je vais faire un petit peu de français. Auto pour... Gamin.
Et mobile pour voiture. En gros, ça se bouge tout seul. Tu n'iras pas t'occuper d'eux, on restera bloqué ici. Oui, t'inquiète pas. Oui, c'est ce que j'ai appris en français. Avec un nouveau prof qui est pas très mal. Je vous raconte ma vie encore une fois. Si ça vous intéresse pas, vous avez qu'à le dire dans les commentaires. Je vais éviter de la raconter. Il y a personne qui les emmène. Non, en fait, je vais pas trop raconter ma vie privée. Surtout au lycée, c'est pas intéressant. Ou même ce que j'apprends au lycée. Hein. Parce que c'est des trucs un peu banals. Je suis pas le seul à les apprendre, je pense. Voilà. Parler à l'anarchiste. Alors là, par contre, anarchiste, je sais pas ce que ça veut dire. Ils ont mis la main sur la nitro. Ça doit te faire plaisir. J'espère que loin de là. Tu savais exactement où trouver ce chariot. Ça veut dire que tu suis les arrivées depuis des semaines. Maintenant, dis-moi où va cette cargaison. Je peux peut-être t'aider. Viens me retrouver à Southwark dès que possible. Ok, ça marche. Bon, je vais éviter par la suite de raconter ma vie. C'est pas intéressant et puis... vous en foutez. En gros, ça veut dire que là, j'ai pas beaucoup de contenu. Du coup, je vais refaire encore une mémoire. Et ça sera deux. Pas plus. Après, je ferai, comme j'ai dit, des missions. Qui a toujours pas ici. En gros, je me promènerai. Dès que je vois une petite mission, je la ferai. Pour l'instant, je vais faire une fin explosive. Et pour la prochaine vidéo, ça sera pas de fumée sans feu. Mais bon, comme c'est une vidéo, c'est moi qui choisis une émission dans l'ordre que je l'ai fait. Hein. Vous savez bien. Parce qu'il y a d'autres youtubeurs. Il y en a qui. Enfin, que j'ai regardé surtout qui a râlé. Parce que il y en a qui se plaignaient de ces vidéos. En même temps, je le comprends un petit peu. C'est lui qui fait les vidéos, mais. Il y a des abonnés qui gueulent quand même. Alors qu'ils n'ont pas lieu. Ouais. Peut-être me taire. Frank Morris a découvert le stock de nitroglycérine. Ça me dit quelque chose ce mot. Des Templiers et fera tout pour s'en emparer. Ils vont déplacer la cargaison. On doit faire vite. Il y a une voiture au coin de cette rue. Si on s'y cache, ils nous conduiront tout droit à la nitro. Je vais m'y cacher. Toi, rentre chez toi. Chez moi, dans une maison froide et triste, pour porter des gants noirs et un ruban de deuil à mon chapeau pendant un an. Pour retourner à l'usine comme un rouage de la machine du capital? Non. Je veux faire justice. Et je veux ces explosifs. Personne ne mettra la main sur cette nitro, mon ami. Ni toi, ni eux. Il y a déjà eu assez de sang versé. J'essaie de bâtir un monde meilleur. Pour que personne n'ait à souffrir comme mon fils. Alors dis-moi, toi qui sais tout, combien de sang devra couler pour ça? Bah, ça j'en sais rien. Ok, faut que j'y arrive avant 30 secondes. Vais-je y arriver? Telle est la question. Mieux vaut leur laisser en fait, la vie. Le temps qu'ils m'amènent à l'usine. Ok. Merde! C'est con. C'est qui le bon cheval? J'ai oublié qu'il fallait maintenir. Désolé, j'ai pas fait la... La mission bien, mais là vous m'en voudrez pas. Ah. Bon, de toute façon, je dois la recommencer du coup. La prochaine fois, je ferai gaffe à ce que je fais, au mieux de parler. Bon bah c'est pas un problème, je vais la refaire comme il se doit, normalement. J'ai pas fait beaucoup d'échecs, je m'en souviens pas trop d'avoir fait des échecs dans les vidéos. Mais il fallait bien que ça arrive un jour. Enfin, si on peut compter l'échec, les petits bugs de scénario qui n'ont pas voulu continuer, ça je pense pas qu'on peut compter ça comme un échec. À part que j'ai dû recommencer quand même. Adam et Ève, deux esclaves humains de la première civilisation, s'enfuient avec la pomme d'Éden et mènent une révolte contre leur créateur. Intéressant. Ouais, je suis un très bon lecteur. Non, pas du tout en vrai. Mais bon. Bon, je vous cache pas que je lis quasiment jamais. Ils vont déplacer la cargaison, on doit faire vite.
Il y a une voiture au coin de cette rue. Si on s'y cache, ils nous conduiront tout droit à la nitro. Ah, c'est là-bas. Je vais m'y cacher. Avant, je lisais assez souvent. Peut-être des petits livres de 60 pages, hein, quasiment. À tout casser. Mais je lisais quand même suffisamment. Le temps qu'il m'amène à l'usine. Oui. Comme ça. Voilà. Tu vas le regretter. Comme ça, je la fais correctement. Bon alors, tu m'amènes à l'usine ou ça se passe comment, mec? Waouh. Il y a légèrement des petits bugs. Je crois que quand on se cache comme ça, c'est pas fait pour rouler, je pense. C'est pas trop tôt. Qu'est-ce qui t'a retenu? Non. Là, il y a un petit problème. Quelqu'un réussisse à entrer ici. Bon, c'est là l'usine. Waouh. Et après, bon, je vais peut-être éviter de mettre ma main dans ma bouche. Sinon, ça va peut-être bafouiller un petit peu le son. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. La dernière vidéo que j'ai sortie, qu'il y a eu des petits bugs de son. Je ne sais pas pourquoi. C'est mes écouteurs qui sont comme ça. À la nitroglycérine. Tac, Kodak. Et comment je les tue? Waouh. Peut-être commencer. Ah mince, quelle. Non, j'ai évité d'être un poli. Désolé, mais j'en ai absolument besoin. Ah, et lui, il s'enfuit avec. Justice sera faite. Non, ne tirez pas. Maurice. Pauvre bougre. Eh bien, mieux vaut détruire ces caisses avant que quelqu'un d'autre n'ait une brillante idée. J'appelle une carriole pour m'aider dans ma mission. Ça pourrait toujours être utile. Ah ouais. Ça pose problème. Un de mes chiens aboie. Du coup, je vais mettre sur pause là et je reprends tout de suite. Sauf si là, se calme. Non, bon. Je crois que j'ai bougé. A tout de suite. C'est bien avec le bouton cher de pouvoir quitter et reprendre comme ça. En moins, quand j'ai des problèmes et que je peux pas couper mon son, comme là je peux pas le couper, bah je fais comme ça et puis ça marche bien. Bon, du coup je vais continuer à bien ma mission. Bon, du coup, tuer les Templiers à la Nitro, je le ferai pas. Puisque je vais tous les tuer un par un comme ça. Bon bah comme ça, je crois que Maurice, il s'appelle, bah il est mort. Bah en même temps, c'est un peu de sa faute, c'est lui qui a voulu prendre. Hein. Bon, j'espère que ça fera double élimination. Bon, nickel. J'aime bien son queue cri. Oui, parce que ça se prononce bizarre, cucri, mais... Wouah ! J'ai le cordon de mon écouteur qui me chatouille. Oh, bah c'est bien, c'est tout préparé. Tu vas mourir, alors je vois pas pourquoi tu m'embêtes. Ce sera peut-être une vidéo de 20 minutes, je pense. 25, mais pas plus de 30 minutes. Sur Assassin's Creed, je vais essayer de faire moins de 30 minutes. Bon, sur Fallout 4, c'est pas pareil, mais... Voilà. Je sais plus quoi dire. Attendez, j'ai perdu ce que je voulais dire, en fait. Ouais, en fait, c'est parce que Assassin's Creed, il y a des missions comme ça où je peux les faire assez rapidement. Alors que sur Fallout 4, c'est pas pareil. C'est un petit peu long. Les missions, ils sont peut-être courts, mais... Je peux me promener et tout. Alors que là, si je me promène, c'est pas pareil. Ah, bah c'est bon. Quitter l'endroit, non?
parler à Marx. Ah, j'aime pas dire ce nom-là, Marx. Bon, je vais descendre. Non, mais je t'ai pas demandé de se suicider, hein. Je t'ai demandé de descendre. Bon. Dissoudre. Oh, c'est long pour dissoudre. Bon, allez. On va finir à bien cette mission. Et après, bon, je refais pas une autre mission. J'en faire, comme j'ai dit, une ou deux. Même si les missions sont assez courtes. Bon, avant, je m'inquiétais un petit peu du temps pour les vidéos, mais plus trop maintenant, en fait. Je m'en fiche un petit peu du temps. Je le fais comme je le sens. Vous revoilà. Et Monsieur Maurice, je vois. Je craignais que ça finisse ainsi. C'était un homme bien, mais même les meilleurs d'entre nous se laissent aveugler par le chagrin. En tout cas, merci d'avoir sauvé toutes ces vies. Bah, de rien. Parce que avant, je me rappelle que sur Share Factory, donc avec le bouton Share, on pouvait faire une... Enfin, on pouvait... Pas toujours faire 15 minutes, mais ce que je veux dire, c'est... sur Share Factory, on pouvait faire que des vidéos de 30 minutes pour les... Le faire, enfin le rendu. Oui, j'ai du mal à m'expliquer parce que j'ai pas préparé ça. Enfin, en fait, je prépare jamais rien. Et alors que maintenant, il y a une mise à jour et je peux faire un rendu de 60 minutes. Du coup, ce qui dit que je suis pas obligé de d'aller vite pour faire l'émission. Je peux même prendre mon temps. Et puis, c'est tout. Hein, je pense qu'il y a que ça à dire. Puis avant c'était les débuts de vidéo, je savais pas quoi faire, je savais pas comment me débrouiller. Donc maintenant ça va, je sais un petit peu comment me débrouiller, j'ai pris un petit peu l'habitude. Je fais juste des vidéos comme ça, donc une ou deux comme j'ai dit. Et tout va bien. Puis de toute façon ça sert à rien de faire 3000 missions, même si c'est des secondaires comme ça. C'est inutile. Oui, là je vais un petit peu me promener, voir s'il y a un petit peu des vols de cargaison. Ou très bien le détournement et j'en passe parce qu'il y a plein de trucs et je m'en souviens pas de tout. Et je ferai sûrement aussi encore une fois des vidéos sur Assassin's Creed Unity, ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait. Puis ça fait un moment que j'ai pas joué non plus, je vais pas vous le cacher. Mais bon, quand je rejouerai, je sais pas si je rejouerai un petit peu avant pour me réhabituer des touches, mais je vais bien en galérer quand même. Parce que si on joue à Assassin's Creed Syndicate et après Unity, ça change vraiment beaucoup. Bon, ceux qui ont les deux jeux, ils peuvent savoir. Enfin, moi, ce que j'attends aussi, c'est surtout le nouveau Assassin's Creed qui va sortir, je sais pas quand. Je me souviens plus trop des dates. Et aussi le film qui sort fin 2016. Ouais, j'espère qu'il sera assez bien quand même. Parce que sans vous le cacher, je suis pas fan, je vais pas dire que je suis fan, mais j'aime bien Assassin's Creed. C'est un jeu assez bien. Enfin, même très bien. Bon, c'est pas aux avis de tout le monde, hein, mais c'est mon avis à moi. Ouda. Dommage, ça aurait été bien de pouvoir aller là-bas. Bon. Du coup, je vais me promener un petit peu, voir s'il n'y a pas de mission. Je vais voir même sur la carte s'il n'y en a pas une comme ça. Juste pour dire... Ah bah, tenez, regardez là. Par exemple, vol de cargaison. Et il y en a encore une autre là. Ouais, je vais faire celle-là. De toute façon, je les ferai tous quasiment. Ah ouais. En fait, les vols de cargaison, ils sont tous indiqués quasiment. Ça, je le ferai aussi parce que je connais pas du tout bateau de contrebandier. Du coup, ouais, je le ferai aussi. Ouais, 100 mètres. Je vais le faire à pied. Ouais, c'est bien, on court. Oui, ma belle. Voilà, c'est déjà fait. Ah ouais,
J'ai pas beaucoup. Enfin, j'ai pas loin. Non, c'est pas loin du tout. Hein. Oh, loyauté 3, bah j'ai le temps. Hein. Bon, je vais refaire encore une autre vol de cargaison. Et après, je vous laisserai, je ne sais où, c'est peut-être sur un immeuble. Enfin, un immeuble. Sur une maison, un toit. Je sais pas, je verrai. Bon, j'espère que celle-là, il faudrait quand même assez conduire loin. Parce que là, il n'y avait même pas 100 mètres, même pas 50 même. Et pour ceux qui savent aussi, ça sert à quoi les bugs Helix ? Faudrait bien savoir. Parce que ça ressemble à ce qu'il y a sur Assassin's Creed Compagnon, je crois que ça s'appelle comme ça. Bon, j'y ai joué légèrement, mais j'ai arrêté. Parce que je crois que c'est que pour Assassin's Creed Unity et non Syndicate. Pour ça, je voudrais savoir un peu à quoi ça sert sur celui-là. Ouais, tu peux me toucher, mais moi je peux me tirer aussi. Bon, vous inquiétez pas, j'ai des potes. Enfin, des potes, ils ont pas le choix en fait de venir. Mais sauf que c'est mon coup. Mon coup, je vais pas appeler ça un coup parce que ça fait un petit peu reprise du jeu, je sais plus comment ça s'appelle. Red Dead Redemption. Ouais, je crois que c'est ça avec le. Ah bah non. Non, non, non. Pas ça, c'est. Eh ben, je sais plus. Du coup, je ne vais plus rien dire parce que je ne sais plus du tout. Avec un coup. Bah, c'est GTA. Ouais, GTA 5. Avec un coup. Bon, bref, si vous savez lequel jeu qu'il faut un coup, bah, c'est celui-là que je parle. Que je me souviens plus du tout. Ouais, mais moi je pense bien que c'est GTA 5. Ouais, je pense bien. Je sais pas vous. Mais ça doit être ça. Ouais, si, si. Là j'en suis sûr et certain, c'est GTA 5. Je reviens plus sur mes décisions, c'est GTA 5. Et si c'est faux, bah, vous m'en voulerez pas. Hein. Parce que, en fait, quand je fais mes vidéos, généralement, c'est je décide de faire une vidéo, je la fais. Généralement, si j'ai des choses à dire, bah, je le sais en avance. Mais je prépare pas de fiches, en fait. Je fais que ça d'instinct. Bon, en même temps, on va dire, j'ai pas trop grand chose à dire. Hein. Parce que, genre, quand je raconte ma vie, c'est pas prévu. Hein. C'est juste que j'ai envie de raconter ma vie. Bon, je vais vous laisser sur quel toit? Tenez, tiens, sur l'église. Ouais, non. En fait, c'est sur ce bâtiment-là, alors. Tant aller sur ce bâtiment-là. Ouais, ça fera quoi une vidéo? 25 minutes, même pas. 28. Ouah. Je suis là, alors tant qu'à faire. Allez sur la pointe. Tout en haut du sommet. Oui, en fin de compte, j'y suis allé quand même. Ouah. Que c'est beau. Ouais, avant, quand j'ai eu la PS4 la première fois que j'ai joué au jeu, genre Unity ou celui-là, je trouvais ça tellement bien, tellement beau et tout, alors que maintenant je trouve ça normal. C'est bizarre. Ah, c'est chiant qui a marqué ça. Bon, bah, c'est pas grave, au moins vous saurez un petit peu ce qu'il y a ici, là, dans ce coin-là. Bon, bah, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine, et ciao tout le monde, bye bye.